tu veux être présentable, tu ne dois pas ressembler à ta situation financière. Sauf si c'est une situation financière prospère. Tu vas pas aller dans un club de striptease alors que tu vis ta vie en Christ. Tu vois quoi? Les opportunités vont venir te trouver chez toi. Lève-toi et sors. Tu peux être sexy en t'habillant sobrement. Mon frère, ma soeur, écoute, tu peux très bien profiter de ta jeunesse en étant en Christ. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font. Tu n'as pas besoin d'être dans l'air du temps pour profiter de ta jeunesse. Shalom, les lumières du Père Céleste. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gracias, mais les intimes m'appellent Déo. Je suis d'origine congolaise, mais actuellement, j'habite au Cameroun, à Douala précisément, et j'ai 21 ans. Je tenais à aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En fait, c'est un sujet qui touche un peu tout le monde et la génération en ce moment, c'est être jeune et chrétien. Être jeune et chrétien consacré, croyant, pratiquant en 2023 au 21e siècle, c'est vraiment pas facile parce que tout le monde essaie un peu de s'adapter à l'ère du temps, tout le monde essaie un peu de vivre selon l'ère du temps. Et on va aborder 4 points, je dirais 4 points, les avantages, les inconvénients. Il n'y a pas vraiment d'inconvénients, mais ce que certains pourront appeler des inconvénients, moi j'appellerais ça plutôt les difficultés et tout. Donc le but de la vidéo, c'est de remédier un peu au fait de certains jeunes qui se plaignent que la vie chrétienne quand on est jeune c'est ennuyant, on ne peut pas profiter de sa jeunesse, on ne fait pas vraiment d'activité, tout ce qu'on doit faire c'est prier. Et j'aimerais vraiment casser le mythe en vous expliquant que quand on est jeune chrétien, on ne fait pas que prier. Non, on peut être jeune, profiter de sa jeunesse, vivre en étant consacré à Christ. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, on abordera 4 points. Le premier point, c'est profiter de sa jeunesse en Christ. Le deuxième point, c'est les attitudes entre jeunes chrétiens. Le troisième point, c'est les relations amoureuses en tant que jeune chrétien. Et le quatrième point, la leçon à retenir quand on est jeune chrétien. Maintenant, parce que je sais que dans deux matins, mon âge il évoluera, ma pensée évoluera, j'aurai plus d'expérience, peut-être j'aurai vécu plusieurs choses qui me feront changer ma façon de penser. On commence par le premier point. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Être chrétien, c'est vivre pour Jésus une vie de démarquage, de choix et de valeur. Tu vas aller dans un club de striptease alors que tu vis ta vie en Christ. Tu vois un peu ce que je veux dire? Être tout en train de calomnier, en train de te moquer, en train d'insulter, en train de critiquer alors que tu as décidé de vivre en Christ. Donc, être chrétien, c'est vraiment marcher selon Christ, marcher avec Christ et marcher pour Christ en se démarquant des autres. Être jeune chrétien, c'est pas seulement aller à l'église. Non. Et un jeune chrétien, celui qui est consacré à Christ, qui médite la parole, qui lit sa Bible, qui respecte les commandements, qui vraiment marche selon Christ en fait. Et selon la société, quand on est jeune, on doit sortir, profiter de la vie, découvrir des choses, découvrir ce qu'on n'aime pas, se faire des amis, voyager, vraiment croquer la vie en plein dents, littéralement. C'est ça, être jeune pour la société en général. Souvent, les jeunes ont la problématique de se demander, mais comment je fais pour profiter de ma jeunesse en Christ? Je suis encore jeune, j'ai encore des choses à découvrir, j'ai encore des choses à faire et tout. Mon frère, ma soeur, écoute, tu peux très bien profiter de ta jeunesse en étant en Christ. Tu n'as pas besoin de faire ce que les autres font. Tu n'as pas besoin d'être dans l'air du temps pour profiter de ta jeunesse. Tu peux très bien te lever un matin, aller au resto, te faire belle, être en bombe et aller au resto. Tu n'es pas obligé de porter un crop top qui ne cache que tes tétons, avec une jupe, avec une fente jusqu'à presque, on voit presque ta culotte. Tu peux être sexy en t'habillant sobrement. Tu peux mettre tes formes en valeur sans forcément être vulgaire. Parce que les gens se disent que être sexy, c'est de porter des vêtements crop top, on va ton ventre, ou la fente va jusqu'à vraiment ce que ça. Faut pas, moni, sans qu'on ait tout dans. Moi, il m'arrive d'aller à l'église, je suis habillée sexy, bien, jupe droite, bien moulante, sans pour autant être vulgaire. Je viens du Congo, Brazzaville, là où je viens, l'apparence compte. Tu peux rester affamée, mais tu dois être présentable, tu ne dois pas ressembler à ta situation financière. Sauf si c'est une situation financière prospère. Tu peux être belle et sexy sans forcément t'exposer. Tu vois un peu, sachant que dans Corinthiens, on demande aux chrétiens en général d'être décent et de s'habiller convenablement, mais surtout la femme. Tu peux très bien t'habiller décemment et être jolie, être sexy et dans l'air du temps même. Qu'est-ce qui dit que tous les vêtements de l'air du temps, c'est des crop top? Non, il y a des body suites. Il y a des hauts, tu vois, manches longues, bouffantes, un peu de la mousseline qui laisse un peu, vous voyez un peu le haut là, qui n'a pas besoin forcément de t'enfermer comme mon t-shirt, mais genre, je mettrai une photo là qui tu vois, c'est joli, c'est couvert, c'est sexy en même temps, mais tu ne t'exposes pas, vous voyez un peu ce que je veux dire. Tu peux très bien te maquiller si tu veux make-up extravagant, prends ton eyeliner, va jusqu'ici là, ou tu veux que ton gloss brille jusqu'à Bamako, tu veux que tes fossiles atteignent le paradis, ou tu veux que tes sourcils soient voyants jusqu'à... Tu veux que ton fond de tête soit un cancancan. Ça n'engage que toi. Mais tout ça dans la sobriété. Tout ça sans forcément s'exposer. Tout ça sans forcément se dénuder. Vous voyez un peu. On peut faire tout ce que les autres font.
Il y a des activités qu'on peut faire 100% chrétien sans forcément s'exposer à la vie de débauche, sans forcément s'exposer à la déchéance. Il y a plein de choses qu'on peut faire sans s'exposer en étant en Christ et en étant surtout jeune. Quand on est jeune, on doit sortir. Je suis désolée, tu peux pas être jeune, vouloir te construire une vie et rester chez toi tous les jours. Tu quoi? Les opportunités vont venir te trouver chez toi. Lève-toi et sors. Tu apprends à connaître des gens, mais tu choisis qui reste dans ton cercle. Tu vas pas me dire que non, je veux seulement connaître des chrétiens. Et les chrétiens ne sont pas réellement chrétiens, mon frère, ma soeur, sache-le. Tu dois apprendre à connaître des gens et après tu choisis les personnes avec qui vous partagez les mêmes convictions, les mêmes façons de voir, les mêmes types de pensées. Reste dans ton cercle, mais ceux avec qui vous ne partagez aucun style de pensée, aucun, vous n'avez aucun sens d'intérêt commun, ne reste pas dans ton cercle. C'est aussi simple que ça. On peut profiter de sa jeunesse sans forcément tomber dans le péché, dans l'impudicité, dans le machin, dans le moitoubène. D'ailleurs, ça, je vais en venir. On est capable de s'épanouir en tant que jeune chrétien. Tu n'es pas obligé d'aller en boîte pour être dans l'air du temps. Je suis allée en boîte une seule fois. Dès que je suis rentrée, j'ai compris que ce n'était pas mon milieu. En fait, quand tu es appelé être enfant de Dieu, mène la vie de débauche autant que tu veux. À un moment, tu ne te sentiras pas à ta place. En fait, j'étais servie dans un restaurant plutôt. Ce jour-là, il y avait un anniversaire 100% chrétien, zéro musique mondaine. Et je vous promets, ils étaient tous dans la tranche d'âge de 15 à 25 ans. Il n'y avait que des musiques chrétiennes du début jusqu'à la fin. Activités chrétiennes, jeux, concours chrétiens. C'était grave cool. On a dansé, on a bu, on s'est amusé. Même moi qui étais serveuse, je me suis amusée comme si j'étais invitée à l'anniversaire. On était à l'aise de vivre sa jeunesse, de profiter de sa jeunesse en servant Dieu. On peut organiser des soirées, même des pool parties. Je suis désolée, j'ai déjà vu des chrétiens à la piscine. Pas besoin de mettre un maillot, deux pièces. Tout le monde actuellement, surtout nous en Afrique centrale, surtout, il fait extrême, mais excessivement chaud. 9 mois sur 3 dans l'année, il fait excessivement chaud. Je suis désolée, même un jour, tu seras tenté d'aller à la piscine. Tellement tu seras chez toi, même le ventilateur ne te va pas. Tu es là, tu as envie de rester sous la douche. Avec les coupures d'eau qu'on a en Afrique centrale, tu vas rester sous la douche comment? Pendant que tu es là en train de te rafraîchir sous la douche, bam, on coupe l'eau. Tu vois un peu, tu seras toujours tenté d'aller à la piscine. Mais moi, je vais à la piscine, je me mets en cycliste. Je mets des cyclistes comme ça. Ça s'appelle des bikers, je suis en tout. Avoir ça n'importe où. Ça, j'ai acheté ça 500 francs au marché. Je mets un cycliste comme ça. Il est court, c'est vrai, mais on ne voit pas mes fesses. C'est vraiment le plus important. Tu n'es pas obligé d'être en maillot ou on voit tes seins, on voit tes fesses. Mais tu peux aller à la piscine sans t'exposer. Les activités, tant que jeune chrétienne, j'ai dit on peut aller à la piscine, on peut aller au zoo, on peut faire des pique-niques, on peut faire des soirées pyjama. On peut faire soirée pyjama, j'en ai déjà fait. Vous faites à manger, etc. Tout ce qu'il faut faire dans une soirée pyjama. Avant de démarrer votre soirée pyjama, vous remettez la soirée à Dieu et c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de rester pendant toute la fête. Ça, c'est plus soirée pyjama. Ça, c'est nuit de prière. Vous aussi, ne confondez pas. C'est souvent à cause de ce genre de personnes qui confondent des activités qu'on finit par croire que la Christian life est boring. Oui, vous faites des activités que tout le monde fait. Culture générale, ce n'est pas interdit. Les gens qui disent qu'être jeune, c'est se saouler au point où tu ne sais même plus ce que tu as fait la veille. Tu es obligé de sortir avec une robe ou tu te penches un peu, c'est fini, ma soeur, quand tu libanda, ou bien tu es obligé de te frotter à n'importe qui, tu es obligé d'avoir un petit copain, sortir avec tel embrasser, un tel, avoir un crush, tel, faire action ou vérité, où les actions sont chaud. Et même si tu es athée, assieds-toi d'abord et demande-toi, quand j'aurai 30 ans, ça aurait amélioré quoi de ma vie? Pose-toi la question. Profiter de ta jeunesse, de l'impudicité, dans la cupidité, dans tout ce qu'il y a de mauvais. Pose-toi la question, les boîtes de nuit et tout ça là, quand j'aurai 30 ans, ça aurait changé quoi dans ma vie? Ça aurait amélioré quoi dans ma vie? Ça m'aurait apporté quoi de bon dans la vie? Pose-toi la question. On devait profiter de notre jeunesse pour construire notre âge adulte, notre futur. Alors, ta jeunesse commence déjà à chercher un travail où tu vas commencer à épargner. Je ne te demande pas d'être stressé. Même un petit travail, même toi, ce moment, tu travailles par exemple 3 fois par semaine. Tu sais qu'à la fin du mois, tu gagnes, même si c'est 15 000 que tu gagnes à la fin du mois, chaque 15 000 que tu gagnes en travaillant 3 fois par semaine, là. Ouvre un compte en banque. Je te promets, quand tu auras 30 ans, tu te lèveras sans penser à l'argent. Tu sais que j'ai épargné à mes 20 ans. J'ai épargné pendant 10 ans de ma vie. Je prends juste l'avion, là. Je vais à Hawaï profiter de ma vie et revenir. Tu vas te rendre compte que c'est plus doux que de prendre le peu que tu gagnes pour aller en boîte. On s'expose souvent à des musiques mondaines ou on s'expose à voir des personnes qui viennent vraiment dans des habillements vraiment, même aussi, je ne sais pas si vous avez des miroirs chez vous, mais là ce n'est pas volontaire. On ne va pas s'empêcher d'aller au restaurant parce qu'il y a des gens qui ont décidé de vivre sans l'air du temps. Tu n'as pas choisi de t'exposer, tu n'es pas allé en boîte, tu es allé au restaurant pour manger. Je suis désolée, je ne vais pas cuisiner tous les jours, je ne suis pas un robot.
je ne vais pas cuisiner tous les jours. Et même des fois où j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de manger un truc où quand je cuisine ça chez moi, ça n'a pas le même goût que quand on fait ça dehors. Le problème, c'est quand on se familiarise avec ces musiques mondaines, quand on se familiarise avec la vie mondaine, là, on s'expose volontairement. Parce que si tu arrives au marché pour acheter ta tomate ou pour préparer ton poulet, tu arrives en ami musique mondaine et tu es là. Tu danses. Là, tu viens de te familiariser avec la musique. Ou tu chantonnes. Ou tu restes attentif à la musique. Troisième point, les relations amoureuses. Aïe, tiens, tiens, ça, c'est un sujet. Les relations, en général, d'abord. Que ce soit relation amoureuse, que ce soit relation, etc. C'est compliqué. Il y a une fille, en fait, elle venait de se convertir et tout. Et elle m'a demandé, mais là, j'ai perdu tous mes amis. Comment je fais pour me trouver des amis en Christ? Il y a des frères en Christ, on se voit qu'à l'église. En dehors de l'église, on ne se voit pas sans pas mes amis. Alors, je tiens à vous dire un truc. Si quelqu'un est appelé à être ton ami, la personne deviendra ton ami. Vous pouvez très bien construire une relation fraternelle en dehors de l'église, si vous connaissez vos limites. C'est juste que quand une personne est amenée à rentrer dans ta vie, laisse-la entrer. Voyez un peu. Peu importe où tu la croises, la personne, quand elle est amenée à rentrer dans ta vie, elle va entrer dans ta vie. C'est quoi cet insecte-là devant mon téléphone? Peu importe où tu la croises, peu importe les circonstances dans lesquelles tu la croises, si cette personne-là est emmenée à faire partie de ta vie, pendant une période donnée ou pour le reste de ta vie, la personne entrera dans ta vie que tu le veux ou non. Quand on se convertit, il faut s'attendre à la solitude. Surtout au début, tu dois vraiment t'attendre à une grande solitude. Parce que les amis avec qui tu partais, wind up les pompons en boîte là. Eux, une fois que tu as changé de conviction, le seul centre d'intérêt que vous aviez, c'était de wind up les pompons en boîte. Maintenant que toi, tu ne wind up plus les pompons en boîte, tu ne fais plus partie de leur cercle, c'est tout à fait normal. Sors de leur cercle. N'aie pas peur qu'on te juge, n'aie pas peur qu'on te traite de coincé, n'aie pas peur qu'on te dise que ah oui, toi, depuis que j'ai rencontré Christ là et tout, c'est son nom Christ là, puis je ne l'ai pas. C'est pas grave. Pas. Reste seul. De toute façon, tu n'es pas seul. Tu es le yéa des yéa, tu es le papa des papas, tu es le Saint-Esprit. Les amitiés, ça ne se force pas. Et si vous arrivez à construire une relation fraternelle hors église, tant mieux, ce sont eux désormais tes nouveaux amis parce que vous allez, il y aura des moments où vous allez avoir partage, vous allez savoir, en fait, vous saurez avoir un équilibre dans votre amitié, vous saurez qu'il y a un temps pour être ami, il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour profiter de la jeunesse, il y a un temps, vous voyez un peu, il y a un temps pour tout. Un truc aussi, évitez les amis qui sont tièdes dans les affaires de Dieu. Les amis qui sont là, un pied dans Jésus, un pied dans le monde, évitez. La plupart du temps, ce genre de personnes finissent par s'embrouiller, je sais de quoi je parle. Moi-même, à un moment donné, je marchais. Un pied dans le monde, un pied avec Christ. Et je vous promets, au bout d'un moment, la tentation est devenue tellement forte. Et j'ai eu des problèmes, j'ai eu des soucis qui m'ont causé une baisse de foi incroyable. Mon pied qui était dans Jésus, là, commençait à sortir pour aller dans le monde. Mon pied, là, commençait à se pousser petit à petit dans le monde. Petit à petit, heureusement, quand tu appelais à être enfant de Dieu, peu importe, Dieu finit toujours par te ramener. Heureusement, il a vite tiré mes deux pieds pour me ramener à la maison. Parce que là où je suis en train de sombrer, là, c'est-à-dire ce dans quoi je tombais, oh, la chute allait être rude, je vous promets. Et quand tu vois que tes amis sont un peu dans les pieds, dans les choses de Dieu, un peu dans les choses de Christ, éloigne-toi de ce ne sont plus tes amis. Quand toi, tu as décidé d'être à 100% dans la vie chrétienne, tu as décidé de vivre, de marcher à 100% avec Christ et qu'eux, ils sont là à marcher 50% avec Christ, 50% sur leur propre voie. Ce ne sont plus tes amis, détache-toi d'eux. Soit tu les entraînes avec toi. S'ils acceptent de venir avec toi à 100%, marcher 100% écrire, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, tu as ramené des âmes à Christ. Mais si tu as tout essayé pour qu'ils viennent, qu'ils marchent à 100% avec Christ et que ça ne marche pas, détache-toi d'eux. Ce ne sont plus tes amis. Au moment opportun, Dieu vous apportera la communauté qu'il vous faut, la communauté chrétienne, qu'il vous faut, les amis qu'il vous faut, qui vous emmèneront dans les sphères qu'il faut. Et s'agissant des relations amoureuses, ok, on peut très bien être en couple quand on est en Christ. Arrêtez le nom, vous fréquentez pas, vous allez tomber dans la publicité, connaissez-vous et puis m'arrive, ah, je vais l'épouser. Et puis c'est pour me retrouver avec des comportements de cour commune sans clôture. On n'est pas ici pour souffrir, on est les enfants de Dieu, on ne souffre pas. Je suis désolée, moi je suis pour les relations, je suis pour la fréquentation avant le mariage, mais pas la fornication avant le mariage. Je vois déjà les bombastiques sad eyes sur moi. Les criminal offensing side eye sur moi. Et la référence. Mais il y a une façon de se conduire quand on se fréquente. Ne vous voyez pas à huis clos, seul surtout. Ne vous voyez pas à huis clos, seul. Faites des activités pour mieux apprendre à vous connaître. Déjà, évitez d'être en couple avec un non-chrétien consacré. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu es avec un chrétien tiède,
dans les choses de Dieu, ça peut aller parce qu'au bout d'un moment, tu peux toujours le ramener sur le bon chemin. Mais si tu es avec un chrétien de nom, hein, vous voyez les chrétiens du dimanche, on ne voit l'église que le dimanche. Hein. Les chrétiens de nom, les chrétiens du dimanche, les chrétiens tiennent à éviter. Eux, ils sont dans l'air du temps. Tu n'as qu'à serrer ton frère en Christ, tu sers ta soeur en Christ là. Vous êtes vous tous les deux en Christ là. Vous serrez en Christ, ça va. Quand vous sortez ensemble et que vous êtes tous les deux en Christ, franchement, il n'y a pas mieux. Very good. Déjà, vous éviterez de vous voir à huis clos, seul. Faites des activités ensemble pour mieux connaître vos centres d'intérêt. C'est-à-dire, vous devez tester vos limites. Vous devez tester votre endurance, votre patience, votre résistance. Vous devez vraiment vous tester. Vous devez tester avec qui vous marchez. Même en amitié, teste tes amis. Teste avec qui tu marches. Je sais que dans l'épreuve là, la personne ne va pas me lâcher. Et moi, je suis pour moi pour fréquentation avant de se marier. Je suis pour attraper mon cou, attraper mon Instagram. Que ce soit amitié, couple, quoi. Tester la personne avec qui vous marchez. C'est pas que dans l'épreuve, tu te retrouves à appeler, la personne ne te répond plus. Alors que la personne avait dit que je serai toujours là pour toi. Les oh, je te laisserai jamais tomber. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où me trouver, tu sais où m'appeler. Quand. Et dans l'épreuve, quand tu les appelles, il n'y a plus personne. Je ne dis pas non plus pousser les autres à bout parce qu'on est des êtres humains. Au bout d'un moment, la patience, c'est la limite. Hein? Tu ne vas pas me pousser à bout pour voir mon mauvais côté. Parce qu'il y a des gens comme ça. On leur demande de tester les gens avec qui ils marchent. Eux, ils poussent les gens à bout pour voir jusqu'où leur colère peut aller. Ça, c'est différent. Ne me pousse pas pour voir jusqu'où mon mauvais caractère peut se manifester. Non. Teste-moi pour voir jusqu'où je peux résister à tes côtés. C'est souvent une distinction qu'on a du mal à faire. On teste les autres pour voir leur mauvais côté. Au lieu de tester les autres pour voir jusqu'où leur bonté envers nous peut aller. J'ai suivi dernièrement un live qui disait dans la Bible, c'est pas interdit les embrassades, les câlins. Je suis pas totalement d'accord. Parce que bisous. Voilà. Surtout dans la bouche là. Partagez vos salives. Un jour, ça va vous emmener à la pudicité. Ça commence à commencer avec les petits bisous. Un jour, l'envie va vous prendre. Ça va vous mener à la pudicité. La chair est faible. C'est vrai, il faut la dompter. Ok. Mais avant tout, la chair reste faible. Et c'est surtout le fait d'éviter de se voir seul dans une pièce. C'est surtout ça. Évitez de voir. Si vous fouillez, vous voulez vraiment fuir la pudicité. Évitez de vous voir seul dans une pièce quand vous fréquentez. La leçon à retenir, c'est que n'ayez pas honte quand vous traitez de coincé. Les gens vont toujours vous juger. Surtout quand vous avez une vie de jeune un peu. Vous savez, vivez-moi, c'est de quoi je parle. Au moment où vous avez eu un peu une vie de déchéance, avant une vie de débauche, avant que vous vous convertissez, vous êtes énormément jugé. Vous êtes extrêmement jugé. Dans une société où une personne qui fornique juge une personne qui commet l'adultère. On n'est pas si différent en fait. Tout le monde n'est pas si différent. Et tout le monde veut du mal à tout le monde et personne ne veut se laisser faire. Je suis tout pour nous les filles, on traite souvent les femmes qui ont toujours dit que non, vous faites les soeurs en Christ. C'est toujours vous qui êtes maquillées à la mort. C'est toujours vous qui portez les vêtements moulants. C'est toujours vous qui, c'est vous aussi qui forniquez en cachette. Entre vous, j'ai dit ok, c'est pas grave. Juge-moi. Tant que le Père Céleste, lui, sait ce que je fais vraiment en secret, le reste là, la bouche des hommes là, les cancans qui ouvrent leur bouche pour parler pour rien là. Ne cherchez pas à tout prix à vous faire accepter. On peut être jeune en Christ et profiter de sa jeunesse. Juste, il faut savoir faire la part des choses. Il faut connaître ses limites. Il faut savoir où s'arrêter. Il faut savoir quand s'arrêter, comment s'arrêter. Il faut savoir comment profiter. Vous devez connaître vos limites. Vous devez connaître où vous arrêter, où commencer, où s'arrêter. Vous devez savoir faire la part des choses. Christ, d'abord, mettez vraiment Dieu au centre de tout ce que vous faites. Mettez Dieu au centre de vos activités, au centre de votre couple, au centre de votre amitié, au centre de votre scolarité. Vraiment, mettez Dieu au centre de tout. Vous pouvez très bien profiter de votre jeunesse. Faire tout ce que les autres jeunes font sans aller dans l'extrême. Ok. Ouf. De toute façon, j'ai beaucoup parlé. Là, si tu n'as pas retenu ce que j'ai dit, ou si tu continues à être tiède dans les choses de Dieu, je vais attraper ton cou. Non, je serai pas. Chaque personne a son temps. Du coup, les lumières du Père Céleste, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Vraiment, si tu as regardé jusqu'à la fin, écris en bas lumière céleste. Mets un petit commentaire où tu écris lumière céleste si tu as vraiment regardé jusqu'à la fin. Like, commente. Et abonne-toi, partage vraiment s'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce genre de vidéo. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour une belle vidéo. Je vous aime, Chris vous aime plus que moi et Toulouse.